lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Notre-Dame de Guadeloupe, je sais avec certitude que vous êtes la parfaite et perpétuelle Vierge Marie, Mère du vrai Dieu. Vous me montrez et m'offrez votre amour, votre compassion, votre aide, votre protection. Vous êtes Mère miséricordieuse, Mère de tous ceux qui vous aiment, de ceux qui vous implorent, de ceux qui ont confiance en vous. Vous entendez mes pleurs et mes douleurs. Vous soignez et allégez mes souffrances, mes besoins, mes malheurs. Vous me demandez de ne pas être troublé ou écrasé par mes chagrins et de ne pas craindre les maladies, les vexations, les anxiétés, les douleurs. Vous êtes ma mère et je suis sous votre protection. Vous êtes ma fontaine de vie et je me blottis dans vos bras. Mère de miséricorde, avec amour, je vous consacre tout mon être, ma vie, mes souffrances, mes joies, tout ce que vous m'avez confié et tout ce qui m'appartient. Je désire être tout à vous et marcher avec vous sur le chemin de la sainteté. Ô Vierge Immaculée, écoutez la prière que je vous adresse avec une filiale confiance et présentez-la à votre divin Fils. Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des enfants à naître, donnez-nous la grâce d'aimer, de donner, d'accueillir et de respecter la vie, dans le même amour avec lequel vous avez conçu dans votre sein la vie de Jésus, votre Fils bien-aimé. Sainte Marie, reine des foyers, protégez et aidez nos familles afin qu'elles soient toujours unies. Assistez-nous dans l'éducation de nos enfants et bénissez-les. Je vous en prie, Mère très sainte,
donnez-moi un grand amour de l'Eucharistie et de la confession régulière, le goût de la prière et de l'oraison, pour que je puisse apporter la paix et la joie par Jésus-Christ notre Seigneur, qui, avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour nous. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, tu conçus les mains.